Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. 15 minutes qu'on amorcom pour la dernière fois, pour ma dernière vidéo, on va travailler la suite des chiffres. Donc, on va voir aujourd'hui comment écrire les chiffres en lettres. Comme dans toutes les langues, on écrit les chiffres et les nombres en lettres aussi. On écrit en chiffres et en lettres. Donc, on a dit les chiffres, ce sont de 0 jusqu'à 9. D'accord? De 0 jusqu'à 9. OK? Alors, donc, on commence par le 1. Donc, on va aller en ordre. On commence par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'accord? Et ce que j'ai oublié le chiffre 0. Donc, je vais l'ajouter quelque part ici. Le chiffre 0, on va l'ajouter ici. Donc, ici, on a le chiffre 1. OK. J'ai commencé par le 1 pour aller en ordre, mais c'est pas grave. J'ajoute le 0 ici. On a 0. Et je vais l'écrire aussi en. Pardon. Donc j'ai le 0. Et le 1. Je vais écrire comme ça. Je suis désolée, mais on travaille ensemble. C'est pas grave, c'est pas méchant. On travaille en équipe. C'est pas grave d'oublier. Ce qui est grave, c'est ne pas vouloir apprendre. OK? Pour moi, c'est pas c'est de la forme. Ce qui est important, c'est ce qu'on va apprendre. C'est ce qui m'importe le plus. Moi, la forme ne m'importe pas. Mais c'est vrai que c'est important. Mais pour le moment, on est en train de travailler comme une équipe dans une classe. Je peux effacer le tableau, je peux écrire pas mal de fois. Mais l'essentiel, c'est d'apprendre. Alors, donc on commence par le chiffre 0. Ça s'écrit la lettre Z, le E accent. Je vais t'expliquer par la suite c'est quoi les accents. Je vais détailler cette leçon à part. Les accents en français, quel est leur rôle, pourquoi on les utilise. Ça, c'est une autre leçon. OK? Mais maintenant, on va préciser les chiffres en lettres. On a déjà vu ce que c'est qu'en chiffres. Les chiffres, maintenant, on va voir comment on va les écrire en lettres. OK? Alors, 0, c'est Z, E accent, R, O. 1, c'est 1, pardon, c'est 1, ça s'écrit U-N. Le 2, le chiffre 2, c'est D-E-U-X. Le chiffre 3, T-R-O-I-X. Le chiffre 4, c'est Q-U-A-T. R-E à la fin. OK? Le chiffre 5, C-I-N-Q. Le chiffre 6, S-I-X. Le chiffre 7, S-E-P-T. Le chiffre 8, H-U-I-T. Le chiffre 9, 9, on le prononce 9, pas 9, 9, N-E-U-F. Et ici, ce que j'ai encadré, le chiffre 10, ou bien le nombre, j'ai bien précisé la dernière fois, le nombre 10, D-I-X.
Alors là, on a parlé des chiffres de 0 à 9. Donc, je n'ai pas oublié, j'ai ajouté le 10 pour passer à ce qu'on va faire après. Donc, à partir de 10, on va passer à la deuxième dizaine. Donc, on parle ici de dizaine. Lorsque je dis 10, ça veut dire une dizaine. Donc, c'est la première dizaine. On compte une dizaine à partir de 10. Donc, ça s'écrit DIX. OK? Alors, je fais rappel. Donc, les chiffres, ce sont 10, uniquement 10 chiffres. C'est-à-dire de 0 jusqu'à 9, on compte 10 chiffres. On les écrit de cette façon, de cette manière. Donc le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le chiffre 7, le chiffre 8, le chiffre 9 et le nombre 10. OK? Je peux appeler aussi les autres chiffres, je peux dire nombre, je peux les appeler nombre. Mais pour plus de détails, et ça c'est précisément une leçon de mathématiques, pourquoi on dit chiffres et on dit lettres, on peut aussi dire nombre pour les autres qui sont des chiffres. Mais ici en français, je précise, je veux dire chiffres pour précisément, lorsque je parle de 0 à 9, ce sont des chiffres. OK? Pour le reste, c'est un détail. Ce sont des leçons de mathématiques. Ce n'est pas ma spécialité, mais en principe, il faut avoir en tête les chiffres et sont uniquement 10, de 0 à 9. Le reste, je vais les appeler des nombres qui sont composés de chiffres. Donc, les chiffres me permettent de composer quoi? Ils me permettent de composer des nombres. Et ces nombres vont me faire des combinaisons. Ça peut être de dizaines, de centaines, de milliers, des milliards, des millions et ainsi de suite jusqu'à l'infini. D'accord? Donc, par la suite, je vais écrire les autres nombres. Je vais écrire les autres nombres en lettres aussi. On va travailler les dizaines, on va travailler les centaines. Et les milliers, les millions, les milliards, on va préciser chaque classe à part, OK? Mais ce que je voudrais que, pour le moment, je voudrais que chacun retienne en tête ceci. Comment je vais écrire, je travaille, je suis en train d'écrire. Par exemple, dans la vie, on va pas toujours écrire les chiffres ou les nombres en chiffres. Des fois, j'ai besoin d'écrire un chiffre ou un nombre en lettres. Par exemple, je vous donne l'exemple des chèques. Je vais remplir mon chèque. Je vais à la banque, مثلا, dans une banque, je vais remplir un chèque. Le chèque. Donc, obligatoirement, je vais écrire le nombre ou le chiffre en chiffres et en lettres. Impérativement. Donc, par exemple, je vous ai donné un exemple, l'échec bancaire. L'échec, le chiffre ou le nombre en chiffres et en lettres. C'est quelque chose qui est normal, tout à fait normal. Partout dans le monde, je dois remplir mon chèque en chiffres et en lettres. Alors là, je dois savoir une chose qui est importante, comment écrire mes chiffres. Donc, c'est-à-dire la chose la plus importante en principe, en premier, c'est les chiffres. Donc, je commence par reconnaître les chiffres en chiffres et en lettres. Chiffres, lettres, chiffres, lettres, chiffres, lettres. Donc là, ce sont des mots en lettres et là, ce sont des chiffres. OK? Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Alors, d'ici là, je vous laisse et j'espère que vous allez retenir en tête ma leçon et revoir pas mal de fois la vidéo pour mémoriser. Et on passe à autre chose. La prochaine fois, je passe à la suite des nombres, pardon, et on précise, c'est-à-dire comment on écrit. On précise c'est quoi une dizaine, c'est quoi des centaines, et ainsi de suite. D'ici là, je vous dis salut, bye bye, à très bientôt.